Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes abonnés, bonjour aux nouveaux, bonjour aux anciens. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer cette vidéo en disant Yako à tous les Ivoiriens, Yako à tous mes abonnés ivoiriens qui me suivent sur ma chaîne. Je vous dis Yako. Certes, Arafat était ivoirien, mais sachez que c'est toute l'Afrique qui est en deuil. C'est toute l'Afrique. Arafat, c'était un enfant. J'ai du mal à dire même c'était un enfant. C'était un enfant. C'est un enfant d'Afrique en fait. Donc c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui est en deuil. Donc la douleur de la Côte d'Ivoire, c'est la douleur du Cameroun. C'est la douleur du Congo. La douleur du Mali. La douleur de toute l'Afrique en fait. Donc nous pleurons notre artiste, notre héros. C'est toute l'Afrique qui pleure Arafat. Cette vidéo, je devais la faire même depuis l'autre jour. Mais bon, du coup, la mort de ce petit frère m'a beaucoup, ça m'a beaucoup touché. La façon dont il est décédé, on ne dit pas qu'on ne va pas mourir. On va mourir, on le sait. Mais il y a les décès qui choquent. Ça choque vraiment. Ça fait très, 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 très mal. Ça fait mal. Donc, une fois de plus, Yako à toute la Côte d'Ivoire. Yako, Yako, Yako. On compatit à la douleur. C'est notre frère africain qui est décédé. Et vraiment, c'est dur à croire. C'est dur, mais bon, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Dieu a donné, Dieu a repris. On ne peut que prier pour que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son royaume. Yako, 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 Yako. À toute la Côte d'Ivoire, Yako. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de la cannelle. Comment faire son bain de prospérité avec la cannelle? Vous savez, là, je parle des cas si on est peut-être commerçant, on est peut-être homme d'affaires ou pas forcément. On a les problèmes d'entrée d'argent. On a les problèmes d'entrée d'argent que c'est difficile financièrement. Je vous propose de faire ce bain avec la cannelle. La cannelle, on la trouve partout, hein. On le trouve partout, dans les marchés, dans les supermarchés, rayons épicerie. On trouve la cannelle et ça se présente sous deux formes. Là, c'est les bâtons de cannelle. Il y a aussi la cannelle en poudre. Dans l'astuce que je vais vous présenter, on peut faire cette astuce avec les bâtons de cannelle ou bien la cannelle moulue. Donc, en poudre, je vais dire. Et pour le bain, c'est de préférence faire ce bain une fois par mois et un vendredi, très tôt le matin. Ça fait un vendredi. Si vous utilisez la cannelle en bâton, comme ceci, c'est mieux de préparer son bain le soir. Donc, prendre un seau d'eau, mettez la quantité d'eau que vous voulez et mettez un bâtonnet, deux bâtonnets, c'est comme vous voulez. Un bâtonnet ou deux ou trois bâtonnets, c'est comme vous voulez. Et prenez le bain le matin, très tôt le matin, en faisant votre vœu. Ne faites pas plusieurs vœux à la fois, non. Si c'est vous avez des problèmes au niveau des entrées d'argent et que c'est un peu compliqué, faites un vœu par rapport à ça, rien que par rapport à ce problème d'argent. Donc faites un vœu par rapport à ça. Avant de vous laver avec cette eau, faut lisez le psaume 33. Je vous conseille de lire le psaume 33 et prenez votre bain en faisant votre vœu. Si vous utilisez la cannelle moulue, ce n'est pas la peine de préparer le bain le soir. Vous pouvez préparer votre bain très tôt le matin et de préférence un vendredi très tôt le matin. Mettez quelques pincées de cannelle en poudre. Faites votre vœu et
Lavez-vous avec cette eau et laissez que l'eau sèche sur vous. N'essuyez pas, l'eau doit sécher sur vous. Et après, vous pouvez mettre votre pommade comme d'habitude. En disant toujours le psaume 35. Donc, 33, je vais dire, le psaume 33. De préférence, à faire un vendredi, je dis bien vendredi. Et vous pouvez faire ce bain de prospérité une fois par mois. Ça dépend de vous. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Mais c'est à faire une fois par mois parce que c'est vraiment un puissant bain. Faites vraiment votre vœu avec le cœur. Soyez vraiment concentrés. Lisez le psaume 33 et faites votre vœu. Et prenez votre bain avec votre eau de cannelle. Il y a aussi une deuxième possibilité. Vous pouvez toujours prendre la cannelle. Moulu, là c'est moulu, vous mettez dans un mouchoir comme ça, mouchoir blanc, donc de préférence c'est mouchoir blanc. Et priez très bien, faites votre vœu, lisez le psaume 33 et mettez dans votre porte-monnaie. Vous allez voir, vous allez vous-même voir, vous allez vous-même voir vos problèmes d'argent. Si peut-être c'était votre commerce qui ne marchait pas bien, bien vos affaires, vous allez voir. Il y aura un grand changement. OK. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous n'avez pas bien compris, veuillez me laisser vos questions en commentaire. Je vais vous répondre. Je réponds toujours à tous les commentaires posés. OK. Et j'espère que cette astuce va vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous regardez ma vidéo en journée, et ça dépend dans quel pays vous vous trouvez, parce que dans tous les pays, on n'a pas la même heure. Si c'est la nuit, je vous souhaite une excellente nuit. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, à bientôt.